Je serai quand même bientôt tout à fait mort, enfin. Peut-être le mois prochain. Malone meurt. Samuel Beckett. Ça fait du bien par ces temps. Je pense. Mais autant me laisser mourir sans brusquer les choses. Il doit y avoir quelque chose de changé. Je ne veux plus peser sur la balance, ni d'un côté, ni de l'autre. Je serai neutre et inerte. Cela me sera facile. Il importe seulement de faire attention aux sursauts. Du reste, je sursaute moins depuis que je suis ici. J'ai encore, évidemment, des mouvements d'impatience de temps en temps. C'est d'eux que je dois me défendre à présent. Pendant 15 jours, 3 semaines, sans rien exagérer, bien sûr, en pleurant et en riant tranquillement, sans m'exalter. Oui, je vais enfin être naturel. Je souffrirai davantage, puis moins, sans en tirer de conclusion. Je m'écouterai moins. Je ne serai plus ni froid ni chaud. Je serai tiède. Je mourrai tiède, sans enthousiasme. Je ne me regarderai pas mourir, ça fausserait tout. Me suis-je regardé vivre? Me suis-je jamais plaint? Alors, pourquoi me réjouir à présent? Je suis content, c'est forcé, mais pas au point de battre des mains. J'ai toujours été content, sachant que je serai remboursé. Il est là maintenant, mon vieux débiteur. Est-ce une raison pour lui faire fête? Je ne répondrai plus aux questions. J'essaierai aussi de ne plus m'en poser. On va pouvoir m'enterrer. On ne me verra plus à la surface. D'ici là, je vais me raconter des histoires. Si je peux. Ce ne sera pas le même genre d'histoire qu'autrefois, c'est tout. Ce seront des histoires ni belles ni vilaines. Calmes. Il n'y aura plus en elles ni laideur, ni beauté, ni fièvre. Elles seront presque sans vie, comme l'artiste. Qu'est-ce que j'ai dit là? Ça ne fait rien. Je m'en promets beaucoup de satisfaction, une certaine satisfaction. Je suis satisfait, voilà. Je suis fait. On me rembourse, je n'ai plus besoin de rien. Laissez-moi dire tout d'abord que je ne pardonne à personne. Je souhaite à tous une vie atroce et ensuite les flammes et la glace des enfers et dans les exécrables générations à venir, une mémoire honorée. Assez pour ce soir.